toujours en direct. Merci Bastien. La régie débloque, c'est la fin de la journée. Toujours en direct. C'est aussi ça les inconvénients du direct. Je disais en direct du Salon des Pêches de Nantes, j'accueille Bruno, Bruno PB sur le plateau télé. Là. Donc Bruno PB qui est... tu représentes la société Ultimate Fishing. Tu es un pêcheur avant tout. Surtout un pêcheur. Ah bon, avant toute d'accord. Chose. Et il se promène aussi sur la route, on va dire. J'aime bien le mot promener. Il va travailler, c'est-à-dire qu'il est aussi commercial pour la société, oui. Il fait pas mal de choses. Mais il passe aussi beaucoup de temps à la pêche. On le voit sur pas mal de réseaux sociaux, en photo, on le voit un petit peu partout, Bruno. Et là, il est venu nous parler d'une technique de pêche qu'il affectionne particulièrement, parce que très, très prochainement, en eau douce, nous allons avoir l'ouverture de la pêche à la truite, oui. En mars. Tant attendu. Tant attendu. Et là, tu es venu nous amener quelques produits qui vont correspondre à cette ouverture. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des rivières et des pêches de la truite dans leurs ensembles. C'est-à-dire que là, j'ai amené des leurres vraiment de différentes tailles, de différentes flottaisons. Alors, différentes tailles parce que on va commencer par celui-ci. Ça va peut-être impressionner un peu les gens d'avoir une taille de leurre de 10 cm pour la truite. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de rivières en France. Et on a énormément de chance, de rivières de première catégorie, où il y a encore de très très gros poissons et des poissons autochtones, donc pas des poissons de lâcher, vraiment des poissons naturels. Alors, quelques-unes comme ça, au Bamo, j'en ai une chez moi, j'en ai deux d'ailleurs, la Touque et l'Arc, qui tiennent des très gros poissons et aussi des migrateurs, mais on peut parler de la Basse Rivière d'Ain, on peut parler de l'Isère et des centaines d'autres en France. Il faut de temps à autre savoir mettre ce genre de bouchée pour aller sélectionner et surtout faire sortir ces poissons dans ces rivières. Voilà. Donc je commence par celui-ci qui est totalement atypique par rapport à ce qu'on utilise, mais qui est vraiment très très intéressant. Le Vision. Le Vision OneTen. Tac. Alors là on va arriver sur des leurres un peu plus classiques, donc 43 mm. Donc voilà, on est vraiment sur une taille, on va dire, passe-partout pour les petites rivières, un peu ce qu'ils mangent. Pourquoi taille de veron tout simplement. Donc là on a un leurre avec une bavette semi-longue, on va nager environ à 80 cm, c'est un leurre suspending, c'est le petit ridge 46 MDR, voilà. On a quelque chose qui tient très très bien le courant. Alors on a beaucoup de leurres maintenant sur le marché. Chez nous, la faculté des leurres japonais, c'est de pouvoir se lancer à grande distance, bien que ce soit tout petit. Voilà. On va prendre un qui excelle dans ce domaine, c'est le ridge 45. Flat, voilà, ça fait 4,3 grammes, ce petit... Combien ? Ce petit 4,3 grammes, ce petit concentré. 4,3 grammes. C'est vraiment un petit concentré de technologie. Donc là, c'est un bijou. C'est un bijou. Alors, les peintures sont magnifiques. Les peintures, il y a de la poudre de tungstène dedans. Alors, de une, pour l'alourdir, et de deux, ça évite en fait les éclats de peinture. Donc, vous pouvez avoir des leurres qui se rayent dans le temps avec les dents des poissons. C'est mieux, c'est qu'on en prend. Mais au moins, vous n'avez pas d'éclat de peinture. Vous gardez quand même l'aspect du leurre. Et puis, une des particularités de la marque Zipbet, c'est d'avoir inventé un transfert de masse sur piston. Ce qui fait que vous gardez un leurre qui est toujours droit en ligne. Vous avez une propulsion, mais ce qui fait que vous n'avez pas d'à-coup dans votre leurre, comme on peut l'avoir de temps en temps avec des billes. Ce qui fait que pour la truite, qui est une pêche de précision, c'est vraiment très important. Quoi. Ok. Donc là, je vois que tu as amené d'autres leurres. On t'en a amené plusieurs. Alors pour beaucoup, on va dire qu'ils se ressemblent quasi tous, pratiquement. Mais moi, je vais en prendre un que je trouve un peu différent. Pourquoi ? Parce que, pour c'est... moi... Hein, oui, vas-y. Bah, il est une nageoire dorsale. Exactement. Alors, j'ai essayé de le prendre du mieux possible pour le montrer à la caméra. Voilà, comme ça. Parce que là, celui-ci, il est tout petit aussi. Il pèse... 4,5 grammes. C'est le nouveau buffet d'Horace de chez Tekelhaus. Alors, quel est son avantage et pourquoi cette petite dorsale? C'est pour tout simplement, ça va lui servir de quille, hein. C'est pour le maintenir en ligne. C'est un leurre qui est fait pour pêcher les forts courants. Voilà, donc de part, donc un leurre coulant, comme on l'a dit, hein, c'est relativement lourd. Et cette petite dorsale va avoir la faculté, hein, sur des poissons qui sont postés, de pouvoir maintenir le leurre droit quand on va le ramener pleine balle. On va vraiment faire des accélérations avec celui-ci. Il ne décrochera jamais. On ne va pas avoir un leurre qui va virevolter, remonter dans l'eau du courant. Donc ça va vraiment nous permettre d'aller lécher le fond tout en gardant un leurre très droit, tout simplement. Après, moi, on ne va pas tous les faire, mais je vais en faire un autre qui, pour moi, s'avérerait plein courant. Tu me dis si je me plante, hein, parce que là, alors, du coup, tu te plantes c'est, pas. C'est toi le spé. Hein. Ouais, non, tu te plantes pas, sauf que celui-ci, je vais l'utiliser plein courant, mais dans des eaux beaucoup moins profondes, parce que c'est lui 55, oui. Et c'est un leurre flottant. Voilà. D'accord. Donc ça va me permettre de faire, tu sais, les petites descentes de radier, les petites accélérations, voilà. Ça va très bien tenir le courant, mais par contre, ça va descendre beaucoup moins profond, tout simplement.
Parce que là, la façon dont il est profilé, c'est pour ça que je te disais ça. Pour moi, c'était pleine bille, plein courant. Je voyais comme ça. Je ne savais pas qu'il était flottant dans un premier temps. Bon, on a les autres catégories qui se ressemblent étrangement. Oui, mais ce que j'aimerais... Oui, tu as prévu, il y a un coloris. Alors, un coloris très spécifique. Rose. C'est le coloris à la mode, parce que beaucoup rigolent. Mais moi, je n'ai pas peur de mettre du rose. Et je n'ai plus peur, comme beaucoup. Non plus peur. Ça fonctionne sur tous les poissons. Là, je suis formel. Que ce soit en souple ou en dur. En souple ou en dur, ça fonctionne sur tous les poissons. Génial. Alors là, on va parler, parce que c'est bien ces petits poissons nageurs, mais il faut du matériel adapté pour pouvoir propulser ces poissons nageurs. Alors, et là, tu as amené une série de cannes. Mais alors, ça ressemble aux leurres, c'est des bijoux aussi. C'est des bijoux aussi, voilà. C'est magnifique. C'est de l'art. Alors, ils ont des poignées liège. Ils ont des poignées liège, porte-moulinées en ronces de noyer. Voilà. Ronces de noyer. Voilà, on a vraiment des produits d'exception. On a des actions aussi, là, évidemment, on ne pêche pas avec, vous ne voyez pas, mais qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que, tiens, prends-la en main, Fred, toi qui as l'habitude de pêcher aussi beaucoup. Regarde la rapidité de la canne, son retour en ligne. Le retour. Et un truc qui est très important, ça, c'est une 2,8 grammes. 2,8. J'ai pris des poissons de 65 cm. Ah, j'aime pas ça. Terrible. Et tu ne perds pas ton action. Et ça ne sont pas des cannes dures, ce sont des cannes rapides, mais pas dures. De façon, tout simplement, à ne pas décrocher les poissons. N'oublions pas que la truite a la gueule fragile. Ne pêchez pas avec des tricks, vous allez décrocher vos poissons. Et j'entends de plus en plus des gens qui mettent de la tresse, qui pour moi est un non-sens quand on pêche la truite. Le nylon va vous servir à deux choses. À tout simplement ne pas décrocher vos poissons, mais il va avoir le rôle de retardateur. Voilà. Lorsque vous pêchez aux poissons nageurs, utilisez du nylon. Voilà, ça donnera le temps au poisson de l'aspirer un peu mieux, tout simplement. Petit et retarder. Diamètre. Petit diamètre. Je pêche en général, même si j'attaque des beaux poissons, entre 12 et 16 centièmes. Voilà. Et la finesse de cette canne, du blanc, c'est vraiment... Mais honnêtement, hein, c'est très, très, très beau. C'est très joli. Et puis, c'est très surtout, efficace. C'est efficace. Et puis, ça va être agréable en pêche. On va pouvoir pêcher toute la journée. On est quand même sur une pêche de prospection rapide. On va quand même peigner et lancer des centaines de fois. Précisément. Donc, c'est vraiment important d'avoir un fleuret et qu'il réagisse à la moindre sollicitation. Et puis, pour finir, bon, les deux se ressemblent à peu près, mais celle-là, là. Celle-ci, alors, c'est une 8 pieds 7. C'est dans la même gamme. Alors, il est beaucoup de rivières où on a quelques migrateurs, mais aussi des grandes rivières dont je parlais tout à l'heure, comme la Basse Rivière d'Ain ou l'Isère, où ces cannes sont appropriées. Vous n'irez jamais pêcher à la Basse Rivière d'Ain avec une 2,10 grammes ou une 1,5 grammes. Ce ne sera jamais assez puissant. Parce que là, du coup, elle est puissante, celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est puissante, c'est une 8,30 grammes. Voilà. Par contre, voilà, on garde exactement la même action. D'accord, on a à peu près la même courbe de progression. On a la même courbe de progression. On reste dans un fleuret aussi. Un retour, voilà, très rapide, très propre. En fait, vous n'avez pas d'oscillation de la canne, ce qui est très important, encore une fois, pour garder une précision sur votre leurre. Et on garde, là tu l'as en main, ça fait quand même 2,78. C'est quand même très léger pour une canne de 2,78 m. C'est clair, et c'est magnifique. Je te remercie d'être venu me laisser tous ces cadeaux, Bruno. Donc avec Patrick qui est derrière la caméra, on va s'en charger. On va aller faire l'ouverture de la truite, Patrick, parce que là, tu sais, tu as vu les cadeaux de Bruno. C'est vraiment sympa. Hein. Donc voilà. Donc la société Ultimate, représentée par Bruno ici, on le retrouvera sur son stand. Sachez qu'il n'y a pas que ces leurres, que ces cannes. Vous avez vraiment une large gamme de cannes pour les différentes techniques de pêche. Toutes les pêches aux leurres. Voilà. Et là, on a évoqué le départ de la truite, hein, de l'ouverture de la pêche à la truite. Donc je vous conseille vivement d'aller sur ce stand pour pouvoir avoir les conseils de Bruno, en l'occurrence, parce que c'est un spécialiste, un excellent pêcheur. Merci à toi, Bruno. Merci, Fred. Allez, à très bientôt.